Harry avait suivi mon conseil et investi dans un avion digne de ce nom. C'était une chance vu la météo qui régnait sur l'Angleterre. Hey, on va descendre un peu pour voir où on est. Dans le mille. C'est... Accrochez-vous, ça va secouer. Mesdames et messieurs, nous venons d'atterrir à Glastonbury. Nous vous souhaitons un agréable séjour. Je me souviens pas d'avoir pris un taxi. Bel atterrissage, Harry. Merci, George. Tu sais quoi? J'ai suivi ton conseil. J'ai pris une assurance. Jamais, c'est notre ami américain. Bonjour, colonel. Ne jouez pas les timides. Je vous dois bien un verre. Ah bon? Bien sûr. Tout s'est arrangé depuis notre rencontre. Lisa! Te voilà, ma chérie. Regarde, c'est un Yankee. Bonjour, George. Bonjour, Melissa. Laissez-moi raconter comment vous l'aviez sauvé de ce satané hippie. Ça me fait chaud au cœur. Je ne suis pas rentré chez moi depuis. J'ai pris une chambre au pub. Ici, il travaille aussi. Bon, qu'est-ce que vous prenez? Colonel, ce serait avec plaisir, mais je dois d'abord sauver le monde. Comme vous voudrez. À vrai dire, il a bien besoin d'un homme comme vous. Et vous, mon garçon? Hey, c'est pas de refus. Mais, alors, juste un demi. Ah, formidable. Je vous présente Melissa. C'est un homme mou. Wow. Ça, je veux bien le croire. Salut, Melissa. Bonjour, Harry. Dites-moi, jeune homme, êtes-vous marié? Non, mais je suis ouvert à toute proposition. Parfait! Allons-y, Nico. Il faut arrêter le grand maître.
Allons-y, Nico. C'est un peu haut, mais c'est la seule possibilité. George, occupe-toi du grand maître, je me charge d'elle. Venez à moi, je suis votre serviteur. Pour l'amour du ciel, arrêtez, c'est de la folie. L'énergie du dragon est sur nous, je peux désormais tout voir, toute l'histoire, la création, le futur. Vous allez tous nous tuer. Avec le pouvoir, je deviendrai immortel. Oh non! Qu'est-ce qui m'arrive? Non! Ah. Ah. Relevez-vous, Sir George. Thank you.
Après ce que tu viens de faire, je parie que tu vas devenir insupportable. Nico ? Je te croyais morte ! Tu ne fais toujours pas la différence entre une perruque et de vrais cheveux, hein ? Mais j'ai vu le dragon te tuer ! C'était Petra. Elle m'avait assommé, je venais à peine de reprendre mes esprits. Mais où est-elle partie ? On dirait qu'elle a... disparu ? Qu'est-ce que tu fais ? Regarde. Oh, je pensais... Qu'une main allait sortir de l'eau pour se saisir de l'épée ? Oui. Soyons sérieux, George. Bon, je crois que c'est terminé.